Et donc salut à tous et à toutes les amis, c'est Cyrus, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de One Shot. J'espère que cet épisode va vous plaire, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce vert. Et donc sur ce, bah je vous dis bon visionnage. Je suis fonctionnel, je peux marcher. Oui tu peux. Oh, un PC. Est-ce que le PC va servir à quelque chose en temps? Eh oh, tu te calmes à virer mon... Je vois que vous avez fait des progrès dans ce monde, Cyrus. Ah, je vais vite fait profiter pour la caméra alors. Je vois que vous avez fait du progrès, des progrès dans ce monde. Mais ces progrès vont s'arrêter ici. Tu as un code à débloquer sur certaines boîtes. Ouais. Le monde n'existe, le code n'existe plus dans ce monde. Do you understand what I mean, Sirius? Va te faire enculer avec tes boîtes. Non. You still don't know. Tu continues à ne pas savoir l'étendue de ce monde et sa détérioration. Pas vrai, Sirius? Respiration. Non. Bien souvent, des parties de ce monde sont perdues. To blissful, voilà, sort dans l'introduction. Mais ce code, this document, alors une exception. Faut que j'aille chercher dans mes documents. Non. Il faut que tu le trouves. Nico a besoin de ses. Va le chercher maintenant. Ok. Wait une seconde. Juste tac, il y a certains trucs. Voilà. Dire j'imagine que c'est moi. Ça a l'air d'être corrompu. Message pour vous. J'ai peur que je dois être bref. Je dois être bref. J'ai laissé partie du journal écrit dans une langue. Ouais, c'est bizarre. Lila, et tu sauras quoi faire. Left you a mask. You look for metal. Le code 11 11 368. Non, 11 36 81. Est-ce que tout enregistre encore? C'est ça ma question. Hop, je vais laisser sur le troisième écran le code. Oui, tout enregistre encore. Ok, c'est rigolo de devoir aller chercher dans son PC. Bon, moins bien pour les vidéos, mais c'est rigolo. Je pense que je l'ai fait, pas vrai, Cyrus? Oui, tu l'as fait. Du coup, on va retourner à ce coffre. Ouais, par contre, ça serait bien que j'ai la caméra pile devant les yeux. Voilà. Ça, je vois tout bien qui enregistre. Alors, le code. Je m'en souviens déjà plus. Alors, le code, c'est 1, 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Oh, ça marchait. Attends, comment t'as eu le code, Sirius? Je continue à ne pas me souvenir d'avoir vu un code. Limite, il y aurait écrit « c'est un secret », tu vois, ça aurait été mieux pour moi, parce que je dis toujours « c'est mon secret », tu vois. J'ai eu un peu d'aide. Ah bon? De qui? T'en fais pas pour ça. Ok. Y'a quoi dans le safe? Ah oui, voyons voir.
J'ai trouvé un masque à gaz. Ah, le masque qui parlait! Et un drôle de livre. Je peux pas lire. Non, pas parce que je ne sais pas lire, hein, ou quoi, parce que je sais lire. Juste que je connais pas le langage. Oh putain, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Ça serait bien que je mette le masque. Oui, ça serait bien, oui. C'est une sortie de gaz. Salut toi. Eh hey. Bonjour personne. Bonjour Jean, personne. Voilà. Bienvenue dans l'ancien Chemical Processing Plant. La plupart des équipements sont déjà réalloués. Ok, dégage. Tu me gênes. C'est une paire de gants en rubber, en caoutchouc. Ah, ça marchait. Oh, gros putain. Ah, caméra. Il y a quelque chose de bizarre avec les robots qui sont envoyés au travail près des trucs de gaz. Apparemment, ils accumulent la rouille beaucoup plus lentement que les autres. Quand tu pars travailler, ils ont l'air tout à fait neufs. Le résultat de la semaine à l'atmosphère. Les quelques-uns qui travaillent directement dans le gaz ont l'air presque neufs. Est-ce que c'est le résultat de l'effet de l'atmosphère sur eux? Ou est-ce que je vois juste des choses parce que je deviens fou? Je sais pas, peut-être les deux. Oh. Salut toi! Salut! Qu'est-ce que tu fais ici? Personne vivante comme toi devrait déjà avoir évacué la place il y a longtemps. Mais je suis juste ici. Dans ce monde, j'imagine. Enfin, je veux dire. Si, regarde, j'ai le soleil. Oh, le Messie! Oui, j'ai vérifié ce que ça veut dire entre-temps. Je ne sais pas trop quoi dire. Vous, Kriting, vous complimenter n'est pas dans ma programmation. Have you spoken to Prophet Bot? Je pense que ouais. Où est-ce que vous avez parlé? Où est-ce que vous avez rencontré? Je sais pas, j'imagine un truc dans le genre. Le Prophet Bot a été créé avec. A été créé pour vous souhaiter la bienvenue. Vraiment? Ouais. Il peut parler à personne d'autre. Pas avec simplicité, du moins. Oh. C'est triste. Tu as été créé pour quoi, toi? J'étais créé pour. Je suis censé garder ces settlements. Et maintenant que les habitants sont partis, ben je dois continuer. Ah. Pourquoi?
J'ai pas été entraîné. Entraîné? Ok, bah c'est bien triste. Enfin bon, après c'est un bateau. On dirait que l'évacuation. J'ai peur des échelles. Pauvre petit chat. C'est une power cell, je pense. Il est écrit. Guardian Resident of the. Il écrit le gardien des. Le gardien, donc c'est le bot, lui là, c'est lui, c'est son truc à lui. Donc lui, c'est le gardien de l'endroit en fait. Putain, il m'a fait peur ce con. Non, t'es sérieux, tu vas me suivre comme ça longtemps? Il veut m'escorter jusqu'au dormitory. A picture of robot. Une photo de robot. Je le sais, j'ai jamais été entouré d'autant de robots avant. Sirius. Ou de robots de cours en fait. Je veux dire, j'en ai déjà vu dans les cartoons et tout ça, mais j'en ai jamais vu un en vrai, en personne. Bon, en gros, elle me disait que c'était plutôt fou. Pas vrai. On se marre un peu. Fais la voix de robot. Quoi? Parle comme un robot. Pip-boop. I'm a robot. And I eat battery. Je suis un robot. Et je mange des batteries. À la place de la. De la nourriture normale. Héhé. C'est pas correct. Pardon. Les robots ne mangent pas de batterie. De la même façon que les humains mangent la bouffe. Téléphone. En fait, les robots ne possèdent pas de système digestif. J'appuie sur espace sur le téléphone. Ça sert à rien. Certains robots n'ont même pas de bouche. Sirius, quoi? Qu'est-ce que je fais? Tu m'as fait avoir l'air idiot. Mais non. C'est une medical box. Tout a l'air usé et déjà utilisé, mais c'est sur un grand plastique qu'on l'air ok. Ah, ok. Ah là. Bonjour personne. Personne organique. Bienvenue dans l'infirmerie. Scan pour blessure. Scan complete. Pas de blessure détectée. Pas de traitement requis. Vous êtes bon pour partir. Merci. De rien. Au moins t'as été checké. Tout va bien, tu sais que tout va bien. Je suis fonctionnel! Est-ce que c'est toi qui as fixé le générateur? Ouais, Sirius m'a aidé. Ouais, c'est vrai. Mais c'est toi qui as tout fait. Mais ouais. Salut, heureux de te rencontrer. Je suis Wowbot. Je suis Wowbot 310. Est-ce que tu aimerais aller quelque part? Est-ce que tu vas bien? Merde, est-ce que tu vas bien? Ah, je peux pas bouger. Ah, tu restes, tu es encore rouillé. Ça, c'est vrai.
Attends, Cyrus et moi, on va trouver un moyen de t'aider. C'est drôle comment le jeu te met carrément en fait. Tu es l'histoire. L'histoire ne se fait pas devant toi. Tu ne fais pas l'histoire. Tu es l'histoire. Et que le perso pense à te mentionner, je sais pas, c'est un petit côté cool en fait. C'est un côté assez spécial qu'on n'a pas d'habitude. Et j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Bon, du coup, faut que maintenant je trouve un moyen de le dérouiller. Cependant, moi je vais m'arrêter là parce que j'ai besoin d'une petite pause. Parce que pour bien que vous m'entendiez, je vais être plié, je commence à avoir mal au dos. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner. Et j'espère que vous appréciez la série, j'espère que vous appréciez les vidéos tout autant que j'aime tourner sur ce jeu. Ce jeu est vraiment cool. Il y aura le lien du jeu dans la description, le lien Steam et le lien du site. Et donc moi, sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Ciao. Don't be scared.